Bonjour, merci. Je vais effectivement aborder un sujet pratique et très transversal qui est le suivi du patient oncologique à long terme, c'est-à-dire du patient considéré en rémission de sa maladie cancéreuse. Je vais essayer de décrire qui est ce patient et quels sont ses besoins et ses attentes propres. Car en effet, il s'agit d'une population spécifique que l'on définit de plus en plus dans la littérature. La littérature est grandissante, ce qu'on appelle les « survivors », du fait de l'augmentation de cette population. Actuellement, dans le monde, on estime à peu près 30 millions de personnes qui sont guéries d'un cancer. Et cette population ne va faire qu'augmenter. Si on regarde ici les projections pour la population américaine, entre 2016 et 2026, on va avoir une augmentation ici de 26% pour les femmes, 35% pour les hommes, donc 10 millions d'hommes, 10 millions de femmes en 2026 qui vont être guéris de ce cancer, ce qui représente finalement tout de même 5% de la population. En Suisse, évidemment, les chiffres sont similaires. On a une augmentation, là, ici, c'est un travail qui a été fait de manière rétrospective par nos collègues de Saint-Gall, qui a évolué suite à l'analyse du registre des cancers. On voit ici, en 1990, à peu près 150 000 patients qui sont survivants, et on double cette population en 2010, et actuellement on est à plus de 300 000 patients. Afin d'illustrer les différents thèmes que je vais aborder dans la présentation, je voulais m'attarder sur deux types de cancers qui ressortent beaucoup dans cette littérature. Pourquoi ? Simplement parce qu'ils touchent des patients par définition jeunes, avec peu ou pas de comorbidité, et ainsi c'est plus facile pour analyser les données à long terme. Si on regarde la courbe de gauche, en haut, le lymphome de Hodgkin. Dans les 5 premières années qui suivent le traitement oncologique, on va avoir des causes de décès qui sont franchement liées à la récidive oncologique. Quand on s'éloigne, au-delà de 5, 10, 15 ans, là, à ce moment-là, on voit la courbe rouge qui augmente et qui sont les autres causes qui peuvent être en partie dues aux complications de nos lourds traitements oncologiques. Une autre façon de montrer les choses, également à droite, là c'est pour le cancer testiculaire, une énorme analyse rétrospective sur une méta-analyse de plus de 40 000 patients. Ici, c'était l'importance et l'incidence de la survenue des cancers secondaires. Si on regarde la courbe en bas, la courbe en points, cela correspond, en fonction de l'âge, à la survenue des cancers secondaires dans la population générale. Les deux courbes du haut sont celles des patients traités pour un cancer testiculaire. C'est finalement ce taux double quasiment. Je vais donc parler de la récidive oncologique, du suivi à réaliser, puis des différentes complications pour finir par le cancer secondaire. Parce que finalement, chez ces patients, la récidive oncologique est généralement la première préoccupation du patient et souvent celle aussi du médecin. Avec l'objectif de ce suivi, finalement, il est de détecter précocement une récidive. Le but est de détecter une récidive à un stade où la maladie est encore curable. Et finalement, malheureusement, on n'a pas de recommandation que l'on pourrait établir pour l'ensemble des cancers, et cela va dépendre de chaque type de cancer, et donc on se fie à des recommandations spécifiques pour chacune. Ces recommandations, elles évoluent au fil du temps, et finalement, la pierre angulaire va rester l'importance du suivi clinique, qui va être finalement souvent l'élément principal qui nous fait penser à la récidive. Deux exemples pour illustrer la variabilité du suivi oncologique et en quoi nos pratiques changent régulièrement. Deux exemples fréquents. Le premier, c'est le cancer colorectal. Ici, ce sont les résultats d'une analyse, d'une méta-analyse parue en 2015 sur de nombreuses études qui avaient pris schématiquement un patient avec un cancer du côlon, stade localisé, qui va être traité par chirurgie, plus ou moins chimiothérapie, en fonction de son risque de récidive. Et à ce moment-là, on va comparer soit un suivi dit intensif, c'est-à-dire examen clinique régulier, examen biologique avec les marqueurs tumoraux, mais également des endoscopies fréquentes et des scanners thoraco-abdominaux fréquents. Et on les a comparés à un suivi moins intensif, ou l'absence de suivi. Et là, dans cette analyse, il a clairement été démontré une analyse en termes de survie de maintenir un suivi intensif,
ainsi pour ses patients. On suit les recommandations de la Société suisse de gastro-entérologie qui nous recommande ce suivi trimestriel. Un contre-exemple est celui du cancer du poumon, également un cancer fréquent, qui est diagnostiqué à un stade localisé, à nouveau, chirurgie plus ou moins chimiothérapie. Et là, pareil, on va comparer une population, soit radiographie simple, soit scanner thoracique. Ici, ce sont les résultats d'une grande étude française débutée en 2006, dont on vient d'avoir les résultats préliminaires il y a quelques mois. Et finalement, on n'a aucune différence en termes de survie entre les deux groupes. Et ça nous pose la question de la désescalade des suivis, en particulier radiologiques. Il nous manque des données pour pouvoir l'implémenter complètement en clinique, mais cela nous fait réfléchir, et c'est le cas dans un certain nombre de cancers, en particulier également les lymphomes, par exemple, qui peuvent survenir chez des patients jeunes. J'en viens aux complications à long terme de nos traitements oncologiques. Je vais évidemment principalement parler des chimiothérapies et également de la radiothérapie et pas de tous les nouveaux traitements dont on a parlé au début de l'après-midi, car d'une part, on n'a pas le recul nécessaire pour évaluer et il est vrai que ce sont des traitements qui sont moins toxiques. Je ne vais pas faire une liste exhaustive de toutes les complications, mais ici, elles sont schématisées dans cette illustration d'un très joli article paru en 2016. Et j'ai sélectionné celles qui me paraissaient les plus pertinentes en clinique et surtout les plus fréquentes. Je débute par la cardiotoxicité. De multiples mécanismes peuvent aboutir à une dysfonction cardiaque qui dépendent de chacune des molécules que l'on peut utiliser en pratique, que ce soit des chimiothérapies, des anticorps ou la radiothérapie. On peut avoir des troubles du rythme, une insuffisance cardiaque, des troubles vasculaires, mais également des maladies valvulaires ou péricardiales en cas de radiothérapie associée. Mais au-delà de la variabilité, il y a aussi une variabilité dans la cinétique d'apparition. Et on peut avoir des complications immédiates, retardées, et pour celles qui nous intéressent, ce sont les complications tardives. Dans la littérature, tardive est définie par la survenue d'une cardiotoxicité plus de 1 an après la fin du traitement oncologique. Et finalement, ça représente quand même 1,6 à 5 % des cas de ces patients chez qui cette toxicité va apparaître à distance, voire franchement à distance. Le principal pourvoyeur de ces anomalies sont les chimiothérapies par anthracycline, avec une toxicité qui est dose-dépendante et qui est également malheureusement irréversible. La principale toxicité à laquelle nous sommes confrontés en pratique clinique, c'est l'insuffisance cardiaque à long terme. Concrètement, comment suivre ces patients? Tout d'abord, cela passe par la prévention des oncologues, respecter les doses cumulatives des chimiothérapies, l'évaluation de la fonction cardiaque avant, pendant le traitement. Mais par la suite, c'est surtout la gestion des facteurs de risque pour essayer de diminuer leur survenue. Aucune recommandation quant à la réalisation d'échocardiographie, même en cas de traitement par anthracycline. Et finalement, le suivi est uniquement clinique et les investigations ne doivent être guidées que par la clinique. Le traitement, pas de traitement spécifique, c'est une prise en charge standard. Et tout de même, ne pas hésiter à référer au cardiologue, cela reste une population globalement plus fragile. Une autre dysfonction d'organes qui n'est pas la plus fréquente, mais que je tenais à mentionner car elle peut apparaître de façon tardive et je trouvais bien schématisée ici. Si l'on regarde ici dans une étude qui a pris en compte des patients traités par une radiochimiothérapie pour un cancer ORL, au moment du traitement, 100% des patients avaient une fonction thyroïdienne normale. À 6 mois, 10% des patients ont une dysfonction thyroïdienne et cette proportion matérialisée par la barre en violet a tendance à augmenter de façon linéaire jusqu'à quasiment 50% encore qui continuent à apparaître à distance du traitement. Est-ce que c'est la chimiothérapie? Est-ce que c'est la radiothérapie qui cause cette toxicité? Là, clairement, on a un argument pour pencher vers la radiothérapie. Si on regarde ici les lymphomes de Hodgkin, un des lymphomes qui peut être traité par chimiothérapie, mais également parfois par radiothérapie, même si actuellement la radiothérapie tend à être plus ciblée et moins de toxicité. Si on regarde le groupe 1, la première colonne, les patients sont traités par chimiothérapie seuls. La deuxième colonne, ils sont traités par chimiothérapie et radiothérapie.
0% des patients développent une hypothyroïdie dans le groupe chimiothérapie seule, 47% dans le groupe avec radiothérapie. En pratique, ce sont des patients qu'il faut suivre de façon régulière. Ici, ce sont les recommandations des sociétés savantes d'oncologie, mais en gros, il faut retenir de contrôler cette fonction thyroïdienne de manière annuelle, en tout cas les 5 premières années. L'ostéopénie, l'ostéoporose, qui est finalement quelque chose de fréquent dans la population générale, mais d'autant plus chez nos patients, notamment qui sont sous hormonothérapie, qui est le plus gros pourvoyeur de cette diminution de la densité osseuse, mais également parfois de corticothérapie à long terme. Si l'on prend le cas du cancer du sein, qui est finalement le cas le plus fréquent de patients que nous avons sous hormonothérapie, si on regarde à gauche, dans la population générale, la perte de densité osseuse est entre 0 et 2% par an en fonction du statut ménopausal. Et si on regarde à droite, ce sont les différents traitements d'hormonothérapie qui peuvent être utilisés et on a jusqu'à 8% par année de perte de densité osseuse et on estime à 80% les patientes qui auront ce type d'atteinte et 27% qui développeront une ostéoporose. Par rapport à l'évaluation de cette ostéopénie, ostéoporose, on a des recommandations en cours de traitement par des ostéodensitométries à réaliser avant traitement et à intervalles réguliers pendant les traitements d'hormonothérapie ou même après en fonction de certaines situations. La prise en charge à nouveau n'est finalement pas spécifique. La réduction des facteurs de risque adjacents, la pratique d'une activité physique, la supplémentation vitamino-calcique et les indications aux différents agents modulateurs de l'os doivent rester identiques à celles de la population générale, simplement l'avoir à l'esprit de la fréquence. J'en viens au risque infectieux, qui est finalement un risque qui est au premier plan lors du traitement oncologique, avec nos préoccupations des oncologues quasi quotidiennes et qui peuvent mettre nos patients en danger vital. Et finalement, ce risque a tendance à franchement diminuer avec le temps. Par contre, il reste quand même des catégories de patients qui sont plus fragiles, en particulier les patients comorbides splénectomisés avec des corticostéroïdes au long cours ou une radiothérapie notamment osseuse et tous les traitements multimodaux en général. Un mot pour simplement signaler que les vaccins sont les vaccins habituels avec la mise à jour des vaccins, la grippe de manière annuelle et les vaccins pour les splénectomisés que l'on connaît. À une nuance près pour les patients qui ont été autogreffés, en particulier après un lymphome, et qui, pour eux, on va recommander un schéma vaccinal précis, mais qui va s'étaler surtout sur les 2 premières années qui suivent le traitement, souvent réalisé dans le service d'oncologie. J'en viens maintenant à la douleur chronique. Finalement, quand on regarde la littérature, c'est extrêmement fréquent, et on est assez souvent désemparé par rapport à la prise en charge de cette douleur qui s'associe à souvent d'autres symptômes, tels que la dépression, la fatigue, l'insomnie, des troubles cognitifs, etc. Il concerne jusqu'à 40-50% des patients dits survivants et 5 à 10% vont développer une douleur sévère, invalidante et qui va notamment être souvent cause de difficultés à retrouver une activité professionnelle ou à peu près, les chiffres varient, mais en tout cas, moins 20% des patients qui vont avoir du mal à retrouver une activité professionnelle. Un mot sur la polyneuropathie qui peut être extrêmement fréquente, entre 60 et 70% lors du traitement de chimiothérapie, pour lesquels on a beaucoup de difficultés à les évaluer à distance, avec la difficulté d'avoir des échelles objectives. On a beaucoup d'échelles subjectives, c'est difficile, mais finalement, on a une polyneuropathie qui est irréversible dans un certain nombre de cas. Une étude très récemment parue qui a évalué de manière très précise, prospective, des milliers de femmes pour un cancer du sein, on se retrouvait à 6 ans où on avait un taux de plus de 40% de persistance, la polyneuropathie qui affectait leur vie quotidienne. Et finalement, des traitements qui restent non spécifiques, avec pas de traitement à recommander en particulier. Cela va, dans un certain nombre de cas, avec la détresse psychologique. On entend, entre autres, par détresse psychologique, l'anxiété, la dépression chez ces patients.
Ici, je trouvais assez intéressant d'évaluer la cinétique en fait, de cette pathologie. Si on regarde sur le graphique de gauche, matérialiser la dépression. Les différentes couleurs représentent le moment depuis le diagnostic. C'est-à-dire en rose, c'est dans les deux premières années. Ensuite, en bleu, 2 à 10 ans et au-delà de 10 ans. On voit que le taux de dépression par rapport à la population générale qui est matérialisée par la bande bleue est plus de deux fois plus importante dans les deux premières années, mais qui tend finalement à distance à retrouver le taux de la population générale. Ce qui n'est pas le cas de l'anxiété importante, a tendance à diminuer, et finalement ces résultats sont vraiment reproductibles dans la littérature et a tendance à augmenter d'une manière importante à distance de la maladie, avec une nouvelle entité qui est décrite de plus en plus, qui est celle de la peur de la récidive. La peur de la récidive comme une entité nosologique qui est encore en cours de définition, mais qui décrit la réponse pathologique à cette peur que la maladie revienne et qui va souvent s'associer à d'autres symptômes psychiatriques. C'est extrêmement difficile d'évaluer l'importance que prend cette entité, mais on estime que ça peut avoir, en tout cas, plus certains papiers, plus de 50% de cette population. À nouveau, quel traitement proposer à ces patients? La chose la plus importante, finalement, est de pouvoir le mettre en évidence, le reconnaître, et puis pouvoir en parler avec nos patients qui, souvent, se sentent à distance du traitement, un petit peu lâchés dans la nature ou abandonnés, où on ne leur parle plus du cancer. Et c'est une remarque qu'on a régulièrement, et finalement, c'est la première des choses, pouvoir l'individualiser. Ensuite, la prise en charge n'est pas spécifique. Elle peut être psychologique, psychosociale, voire pharmacologique si besoin. Et à nouveau, ne pas hésiter à référer aux spécialistes. Il y a de multiples échelles que l'on trouve dans la littérature, un peu partout sur Internet, qui nous permettent de quantifier et parfois également d'orienter notre diagnostic, qui peuvent nous aider. La fatigue liée au cancer, évidemment, elle va être multifactorielle. Pendant le traitement oncologique, c'est quasiment 100% des patients qui sont fatigués. Et puis, on voit que c'est surtout pendant les premiers mois, évidemment, mais on dit pendant la première année où cette fatigue va pouvoir être potentiellement invalidante et empêcher une reprise des activités de la vie quotidienne. Elle peut malgré tout persister dans, finalement, au moins à peu près un quart des patients qu'ils le décrivent jusqu'à 5 ans, 10 ans, et un certain nombre de ces patients nous disent qu'ils n'ont jamais retrouvé leur forme antérieure. Ceci est forcément un petit peu lié aux troubles du sommeil, qui ne sont tout de même pas la même entité, et que je profite de mentionner ici, et qui représente, il y a deux fois plus de troubles de sommeil dans cette population, également une plainte fréquente. Évidemment, la première chose de la fatigue, ça va être d'identifier les causes organiques ou psychiatriques, et puis la prise en charge globale du patient, à nouveau, du fait d'avoir reconnu cette fatigue et d'essayer d'accompagner notre patient dans sa démarche de guérison. Énormément de molécules de pharmacologie ont été évaluées, mais aucune n'a permis de démontrer un bénéfice, contrairement à certaines alternatives thérapeutiques qui, elles, peuvent montrer tout à fait un bénéfice, comme l'activité physique ou l'acupuncture, par exemple. Un mot sur les troubles de la sexualité, qui, quand on regarde la littérature, c'est extrêmement fréquent, et ça l'est beaucoup moins dans notre pratique quotidienne. Alors, je ne pense pas parce que c'est moins fréquent, mais simplement parce que les patients ne nous en parlent pas ou peu, et nous-mêmes, nous l'abordons peu avec nos patients, peut-être mal à l'aise ou par manque de temps ou de formation. Mais c'est important de savoir que ça concerne un nombre non négligeable des patients. Là, si on regarde pour certaines maladies, cancer du sein, cancer colorectal ou cancer de la prostate pour les plus fréquents, du fait de la chirurgie d'une part, mais également du fait des traitements d'hormonothérapie par exemple, ou de chimiothérapie qui vont altérer la relation sexuelle. La prise en charge, à nouveau, rien de spécifique, mais finalement la principale problématique va être de pouvoir identifier le problème, de pouvoir en discuter, pour pouvoir proposer aux patients des alternatives qui vont être adaptées, et puis à nouveau ne pas hésiter à référer à un spécialiste. Les troubles cognitifs,
Je n'ai fait qu'une seule diapositive dessus, même si c'est finalement quelque chose où on me pose souvent la question de l'incidence de ces troubles cognitifs et comment les prévenir et quels sont les mécanismes. Alors on a un petit peu de peine à répondre à toutes ces questions. Évidemment, c'est quelque chose de multifactoriel. Plusieurs hypothèses sont élaborées pour essayer de comprendre l'importance de ces troubles cognitifs. Une de ces hypothèses, par exemple, qui est celle qui est schématisée ici, est celle d'une accélération du vieillissement naturel de par le cancer en lui-même, les traitements oncologiques et la fragilité inhérente à l'âge. Parce que finalement, on a souvent affaire, alors toute la littérature des survivants est plutôt une littérature de patients jeunes, mais notre quotidien en oncologie reste des patients âgés, pour lesquels l'importance pour nous, oncologues, d'avoir une évaluation oncogériatrique au préalable est extrêmement importante, et après également pour le suivi. Et finalement, c'est la chose la plus importante à prendre en compte par rapport à des traitements préventifs à administrer avant ou après le traitement. Malheureusement, il n'existe rien qui a démontré une efficacité, et c'est vraiment l'évaluation et la pondération du traitement oncologique. J'en viens pour finir aux cancers secondaires, qui sont, comme on l'a vu au début, très fréquents. Finalement, quelles sont les causes de ces cancers secondaires? Schématiquement, évidemment, avoir eu un premier cancer, avoir été traité pour ce cancer, et puis l'ensemble des facteurs de risque qui vont, dans un grand nombre de cas, persister, qu'ils soient environnementaux ou les habitudes, les facteurs génétiques, évidemment, qui vont influencer. J'illustre ces deux propos. La première pour les cancers qui sont liés aux facteurs de risque. Un exemple fréquent, le cancer ORL, primaire. Un patient sur cinq qui développe un cancer ORL va développer un second cancer au cours de sa vie. 15% de ces patients dans les 10 années qui suivent le premier diagnostic. Et là, clairement lié à la persistance des facteurs de risque, avec comme premier cancer secondaire un cancer du poumon, puis ORL et enfin l'œsophage. Et puis il y a tous les cancers secondaires qui sont liés aux traitements oncologiques que l'on a administrés, que ce soit des traitements de chimiothérapie ou de radiothérapie. Ici, pour l'exemple du lymphome, on a à gauche une étude qui est parue dans le New England en 2015, où il compare les courbes pleines qui sont l'incidence cumulative de la survenue des cancers secondaires. Il y a plusieurs courbes pleines qui correspondent chacune à un moment du traitement, c'est-à-dire avant 1980, de 1980 à 2000 et après 2000. Et finalement, on voit que c'est similaire, vraisemblablement, parce qu'ici, c'était le lymphome de Hodgkin qui était traité de la même façon. Les courbes en pointillés en dessous, qui sont celles de la population générale, et on voit que clairement l'incidence est beaucoup plus élevée. À droite, on a les différents cancers qui peuvent survenir suite à ces traitements, qui sont soit liés à la toxicité de la chimiothérapie, soit à la toxicité de la radiothérapie. Par exemple, pour les lymphomes, qui étaient auparavant plus irradiés que maintenant, on a une importance non négligeable de cancer du sein ou de cancer du poumon qui se développe suite à une radiothérapie médiastinale. Pour conclure, ce patient survivant n'est pas un patient comme un autre, il faut savoir le reconnaître. Les complications des traitements à long terme existent, même des années après. Et finalement, il est important de connaître, de reconnaître ces symptômes et pouvoir aider notre patient. Il n'y a quasiment aucun examen à réaliser en routine et le suivi clinique reste essentiel. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Céline pour ce brossage de ce patient qui va envahir nos consultations. Y a-t-il des questions? Des commentaires des... Comment vous faites le lien entre la fin de votre traitement et le passage vers les médecins traitants? Et j'ai des toujours un peu mon patient de prendre une part par rapport à toute cette liste qui est connue et puis qu'après, le médecin traitant reçoit dans un cabinet
pour arrêter de consulter s'ils sont plus dépressifs, par conditions, ce genre de choses. Est-ce que ça fait systématiquement ou comment? Oui, alors c'est quelque chose effectivement qui est effectivement individualisé pour chacun des patients en fonction de sa maladie, du traitement reçu, pour lequel nous on suit les patients un certain nombre d'années, puis souvent un suivi conjoint déjà avec le médecin traitant. Et des recommandations qui sont mesurées à ce moment-là, on ne leur donne pas toute la liste des effets secondaires possibles, mais en tout cas des choses auxquelles il faut faire attention. S'il y a des recommandations précises, nous-mêmes on va le signaler dans les courriers de fin de traitement finalement. Et puis j'ai été assez étonnée en préparant cet exposé de voir qu'il y a quand même énormément de guidelines pour ces patients. Et puis je suis tombée sur un site extrêmement bien fait où le patient pouvait par exemple rentrer tout le type de cancer qu'il avait eu, le type de chimiothérapie, et ça lui sortait 20 pages de toutes les choses. Alors vous êtes fumeur, donc toutes les recommandations pour arrêter de fumer, vous avez une polyneuropathie parce que vous avez eu de l'oxaliplatine, et etc. Donc c'est vrai que nous-mêmes on ne fait pas ça, on ne donne pas de telles recommandations parce que ça noierait le patient, je pense, dans cette avalanche d'informations. On essaye de donner des recommandations précises concernant les risques de récidive. D'être sauvés et tout à coup de se sentir aussi déprimés aussi. Oui, c'est juste, effectivement, c'est quelque chose dont on voit après coup, et souvent cette sensation d'abandon et de ne pas se sentir bien alors qu'ils ont été dans le combat pendant le traitement. On essaye maximum d'anticiper ou de proposer un suivi, mais effectivement, de faire davantage peut-être. Vous pensez qu'un jour on saura quels patients feront des complications, quelles complications ils feront et lesquels récidiveront, lesquels récidiveront pas? La boule de cristal, je ne l'ai pas prise aujourd'hui. Par rapport à savoir quels patients, notamment par rapport aux chimiothérapies, on a certains indices, mais pour déterminer à l'avance les complications, notamment à long terme, malheureusement, on peut avoir, notamment par rapport aux facteurs de risque, etc., mais on n'aura jamais une vision extrêmement précise. Et puis la deuxième question, c'est de savoir qui va récidiver. Alors, il y a des groupes de risque, mais on les suit par rapport à leur groupe de risque, mais au sein de ce groupe-là, on ne pourra pas dire plus précisément. Donc, on suit tout le monde. J'ai eu l'impression, pour avoir vécu quelques cas, que les cancers secondaires étaient particulièrement réticents au traitement. En soi, ce n'est pas parce que c'est un cancer qui est secondaire qui va moins bien répondre au traitement. Le problème, c'est que le patient potentiellement a déjà reçu certains traitements. Certains ne peuvent pas dépasser certaines doses de chimiothérapie ou au cours du traitement va développer de façon beaucoup plus précoce des toxicités car ces tissus ont déjà été exposés aux molécules et ainsi une difficulté à manager ce second traitement. Mais si c'est un deuxième cancer avec une histologie différente, une histoire différente, il n'est pas décrit que ce soit un cancer plus agressif. Dans les présentations, une présentation sur ces adversités de moyen long terme qui, du point de vue des patientes et patients, c'est tellement important pour lesquels c'est très important de développer un suivi, des guidelines et une façon en fait de les aider à vivre en fait. Et donc, un grand merci.